bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre incroyable aventure. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici sur Forbidden West, toujours aussi magnifique. Regardez ces petites abeilles qui frôlent la caméra, ça fait peur. Voilà, je déteste les abeilles, je tiens à vous le dire. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et on se retrouve évidemment pour la suite de notre folle aventure et nous sommes à la clairière, pardon, j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici et j'avais des choses à trouver et mes preuves à faire parce qu'il se passe dit avoir vu l'éclipse. Des choses terribles. Commençons par là. Il est temps de les examiner. Ça fait beaucoup de sang pour un seul homme. Je suppose que c'est ici que Conover a tué ce garde. Mon focus pourra peut-être me dire s'il y avait vraiment une troisième personne. Ah bah oui. Il y avait bien une troisième personne. Je vois les pistes des soldats Karja qui ont fouillé la zone. Ça ne m'aide pas. Ah! Ah, c'est embêtant. Mais il avait l'air gentil, il avait pas l'air méchant, hein. Bah, c'est pour ça qu'il a l'air gentil, d'ailleurs. Des branches brisées. Il y avait quelqu'un ici. Ok. Des empreintes. Elles s'éloignent de Cagnard. Très bon. Je devrais pouvoir les suivre avec mon focus. Bon, avec ce qu'on a vécu la dernière fois, c'est-à-dire aux deux épisodes précédents, on va faire un petit peu de quête secondaire parce que je vous cache pas que ça chicote, hein. Ça chicote, on a pris plein la gueule, bordel, et ça a swingé. Bah alors, qu'est-ce qui se passe ici? Voyons où ça mène. Peut-être que Conover n'a pas menti. Que vois-je? Un sanglier? Que vois-je? Un sanglier? Oh, attendez. Que vois-je? Oh, salope! Pardon, excusez-moi. Mort. Mort. Parce qu'il nous faut de la viande et de la peau de sanglier, c'est très important. Là, il va vraiment falloir qu'on cherche tous les insectes, si je puis me permettre. Oh là, j'avais pas vu ça, dites donc. J'ai perdu la piste. Il y a trop de machines par ici. Je peux peut-être retrouver la piste un peu plus loin. Ouais. Ouais. Oh, regardez, il y a une petite fouinette, il y a quelque chose là-haut. Là-haut, là, qu'est-ce que c'est que ça? Un raton. Oh, il me faut. Oh, j'ai chaud. Hop, on fouille le raton. Que de la viande de raton, mais bon. Mieux que rien. Je peux pas pirater ça. Je dois récupérer des données dans un creuset si j'en trouve un. Ah! Ok. Yeah! Tu es mort! Je l'ai. Wow, bien joué. Mais c'est pas vrai. Waouh. Mort. Ça dégage. Allez. On a encore eu chaud. Donc comme je disais, la piste un petit peu plus loin, je veux bien, elle est là-haut. Du sang. Il y en a beaucoup. Attends, parce que moi je vois surtout ça en fait, mon pote. Voilà, une petite montre par l'époque, les gars. Ça fait plaisir. Celui qui a détalé par là a dû être blessé par la machine. Je devrais arriver à suivre les traces de sang avec mon focus.
Ok. Ça, on prend. Hein. Quand je localise des belles petites choses comme ça, ça, on prend des soins. On n'a jamais trop. Parfait. On dirait qu'il s'est dirigé vers ce point. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Un sanglier? Il s'est perdu le rêve. Je pourrais le récupérer dans la réserve. Ok. Oh. Une montre de collection. On voit très bien Cagnard si on veut surveiller ce qui s'y passe. Ok. Des bandages. On dirait que le fuyard a voulu soigner ses blessures avant de continuer. Je devrais pouvoir suivre sa piste. La vache, on va y arriver, les gars, ou... Elle est où, cette fucking piste? Où est-ce que tu es passé? Ok. Très très bien, il est passé par ici, il repassera par là. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Il me le fallait! Un os de sanglier violet! On va pouvoir améliorer, incroyable! Notre staff! Oh non! Oh! Mais je suis un monstre! Ok. Très bien. Oh, je suis désolé, mais là, il faut. C'est une question de vie ou de vie. On dirait une corne filante. Non, c'est pas vrai. Ça arrêtera jamais. Je suis passé de l'autre côté. Oh, quel enfer. Ok, bougez pas. La piste s'arrête ici. Il a dû grimper jusqu'à sa fenêtre. Avec cette blessure, il doit être à bout de force. Ok, on se casse. Oh, mais c'est quoi cette enquête? What the enquête? On a eu chaud? Allez, on monte. On s'arrête pas. Ok, il est passé par ici, il repassera par là. Petite fleur azurée, ça c'est la famille qui régale. Cet endroit ferait une cachette idéale. Ah vache! Tellement beau, un ancien tunnel! Non mais... Amis viewers, vous vous rendez compte? Regardez. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a donc? Incroyable! Oh là là! Des anciens tunnels. Oh, c'est beau! C'est beau! Continue comme prévu et on part vers l'ouest. On n'est pas sûr que la Rubik soit morte? Il ne s'est pas montré au point de rendez-vous. Cet imbécile de garde l'a tué. Il va essayer de gonfler. On a juste à faire sauter les portes pour passer. Et ensuite, Rayad était notre seul lien avec Vezret. Et lui aussi. On trouvera nous-mêmes Vezret s'il le faut. Mais avant, il faut traverser Cagnard. À la prochaine relève, on y va avec perte et fracas. Conover avait raison. Je dois les arrêter avant qu'ils ne fassent d'autres victimes. Les Karja sont devenus aussi faibles que stupides. Allons-y. Ok. Alors, toi, par contre, mon ref. Je te respecte, mais je te respecte pas vraiment. Attends. Ah, putain, je voulais faire mon nouveau coup. C'est bon, je l'ai fait. Oh, attends. 1, 2, 3. Acha! Oh là là, incroyable. Mort. Oh non, je suis désolé. 1. Attends, toi, tu fais trop le fou, la vie de ma mère. Mort. Ok. 1, 2, et chrier! Oh my god! Mort. Ok. R2, avec une lance chargée sur un ennemi, créer un point d'énergie bleu. Ok.
Ah oui, c'est mon truc chargé. Oh, regardez tout ce qu'il y a, c'est insane. Oh, c'est insane. On va pouvoir améliorer un tonne de trucs totalement fou. Ok. Je l'ai trouvé, le torré. Ça va. Oh, bien joué. Oh, c'est un coup chargé énervé, ça. Attends. Tu triches la vite. Ok. Ok. Oh my god. Je me délie! Brisage de nuque. Je t'ai nuqué ta mère. Excellent ça. Ok. Parfait. Pourquoi personne ne ramasse ces champignons bleus? Ils sont toxiques ou quoi? Oh tiens, encore what? J'boum! Je vous laisse lire! Évidemment! L'élite des Karjas de l'ombre, donc ils se font appeler l'élite des Karjas de l'ombre. Très bien, ça peut être très intéressant ça. Hop, parfait. Oh là là là, il s'en passe des choses dans ces planques. Oh putain, regardez-moi ça. Hein? Oh! Une montre. Qu'est-ce qui se passe? Wouh! Toi, t'es plus fort que les autres, toi, hein, c'est ton problème. Hop, ça c'était pour le skill. Juste pour lui dire que j'étais capable de le faire. Ah, d'accord. Je les ai tous eus. Mais il doit y avoir d'autres soldats de l'éclipse au-delà des croix. Si ce Rayad était leur seul contact avec eux, okay. Il a peut-être un focus. Il pourrait me dire où ils sont. Très bien. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Nous allons les buter sans jamais nous arrêter. Où allons-nous les buter? Oui! Allons-y, let's go! Nous éventi les amis! On va les éclater! Je pense que c'est Rayad. Le sang devait être le sien. Il est mort en essayant d'arriver ici. Je le savais. Rayad a un focus. Ah! Chers adeptes, si vous voyez ceci, vous avez quitté l'Hélium en quête d'un nouvel objectif. Votre périple touche à sa fin. Suivez le soleil au-delà des portes de Cagnard et baignez dans le crépuscule de votre conquête future. Un nouvel empire vous attend. Je vais devoir aller voir ce Vezeray et tuer ce nouvel empire de l'éclipse dans l'œuf. Il y a des coordonnées ici. C'est après Cagnard. Ok. Le masque de Rayad devrait suffire à prouver l'innocence de Gonagall. Il faut le rapporter à Cagnard. On est bon? On est bon. Alors, est-ce qu'on peut se... Wouh! Allez, c'est parti! Oh là là, c'est stylé! Ok. Toujours plus de bruit. Ces fesses sont bien trop résistantes. Oh, on va améliorer des choses. Oh, j'y hâte, hein. Oh, je vous le dis, j'ai hâte. Oh, une petite hirondelle. Oh là, le monstre. Ah là.
Allez, un corbeau. Et... Hop, bah d'accord, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis égaré. Ah, dommage qu'on plane pas un petit peu plus, si vous voyez ce que je veux dire horizontalement, hein. Ça aurait pu être l'excellence. Ok, y'a rien. Y'a rien, y'a rien. On va pouvoir rentrer calmement. Y'a rien non plus. Oh, si, y'a. Yes! Yes, yes, yes! Je crois que j'en avais besoin aussi. En bleu, yes, de la peau de raton. Impec. Allez, c'est parti! Matez-moi la qualité du soft. Matez-moi ça! Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Un rat, frère? T'es mal à taille. T'es mal à taille. Ok. On va traverser à l'arrache. Comme ça, ça nous permettra de reprendre ces plantes-là. Parfait. Allez, ta mère la bûche! Putain de merde! C'est pas possible! Ok, là, y a plus rien. Bon, on va pouvoir save. On a fini une quête secondaire qui était quand même assez insane. Les quêtes secondaires, elles régalent de ouf, hein. Elles emmènent loin. Loin, 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 mon ref, hein. Allez, go. Go, go, go. Ok, on va où? On va aller là. Très bien, ça c'est la réserve. On va rendre la quête secondaire, les potes, et on va aller améliorer notre stuff. Comme convenu, on a récupéré quelques pots. Regarde, soldat, elle est de retour. Aloy, tu as trouvé quelque chose? Des fugitifs de l'éclipse campaient de l'autre côté de la forêt. Ils se préparaient à prendre d'assaut Cagnard pour passer. Tu as sauvé de nombreuses vies. Aloy, tu sais bien que je te crois. Mais les autres officiers, tes mots ne suffiront peut-être pas à les convaincre. S'ils ont besoin de preuves, montre-leur ça. Et dis-leur que cet homme a risqué sa vie pour révéler et éliminer un espion de l'éclipse. Ah, finalement, tu es bien sa sauveuse. Félicitations, soldat. Tu es un homme libre. Tu pourras sortir d'ici avant la nuit. Je transmettrai ceci aux bonnes personnes. Ça y est, alors. C'est la fin de l'éclipse ? Presque. Les intrus dont tu as parlé, qui ont traversé Cagnard il y a quelques semaines, leur chef est dangereux. Et il est là-bas, dans l'Ouest prohibé. Il constitue une armée. Par le soleil, tu vas y aller pour l'arrêter, n'est-ce pas? Je vais essayer. Je veux t'aider. Je peux me battre. Je sais bien. Mais tu as beaucoup souffert. Une fois sorti de cette cellule, profite de ta liberté. Tu le mérites. Élimine les sauveuses. Allez, masque de l'éclipse, c'est fait, quête annexe. Accompli, et ça fait encore beaucoup, beaucoup d'XP, beaucoup de points, c'est un régal. On a 4 points à s'attribuer. Allez, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais... on est niveau 10, incroyable. Je voulais améliorer. Je voulais améliorer ma sacoche plus précisément. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça avait bugué. Augmente le nombre de ressources qu'il est possible de transporter. Insane. Insane. Boum. Augmente la quantité de munitions. Oh non, munitions pour fronde, catastrophe. Mamma mia. Il faut des peaux de renard et des peaux de raton laveur. D'accord. Pour les flèches. Et augmente la capacité de lance-pique. Ok, bon. Pont de raton et peau de renard. Vous avez compris? J'espère que c'est noté pour vous dans vos petites têtes, ok? Allez, on est parti. On va aller faire le grand coup. On va aller voir le grand coup. Je pense qu'on a peut-être le temps. Ça serait cool en tout cas. Mais avant ça, petite save rapide. Voilà. Vous pouvez effectuer un déplacement rapide entre deux feux de camp que vous avez découvert sans utiliser un pack de déplacement rapide. C'est incroyable ça, d'y voir. C'est incroyable. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Direction l'Ouest prohibé. C'est la première fois, hormis quand on avait fouillé tout ce merdier là.
C'est la première fois que nous sommes vraiment et que nous allons nous aventurer dans l'Ouest prohibé. Regardez, hein. Donc ça, considérez que c'était vraiment l'intro du jeu. Et là, regardez, regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable, j'ai si hâte. Allez, let's go, j'ai trop hâte de découvrir tout ça avec vous. Ça va être insane. Ce jeu est fantastique. Et vous savez quoi? C'est peut-être un des seuls let's play qui, clairement, fait pas un nombre de vues très conséquent. Mais qu'on finira, parce que vous savez qu'Horizon, c'est dans les veines. Hein. Je pense que c'est un jeu littéralement sous-coté. Et pourtant fascinant, il faut le dire. Parfait. Non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un feu de camp ? Un renard. Je l'ai enfin. Oh, je suis désolé, mais... Oh, je suis désolé, mon ref. Je sais, ça fait mal, mais il fallait. Oh, on peut encore améliorer quelque chose, c'est insane. C'est littéralement insane. Hop, on va faire une save rapide, on active un feu de camp, ça c'est fait. Il est à nous maintenant. Ok, bon. Renard, c'est fait. Oh, 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 oh. Ok. Parfait. C'est un pigeon. Viande de pigeon, on aime. Oh là là. C'est si beau. Rien que se balader dans les plaines. Incroyable. Bon. On va sauvegarder et on va se déplacer. Là, on va faire l'ultime flemme, les potes. Hein. Je vous le dis, on va faire l'ultime flemme. On va faire un... Non, pas ça, pardon. Excusez-moi. Un déplacement rapide. On va aller où? On va aller ici, mon ref. Voilà, voyager, hein. Allez, ça dégage. Ça dégage et grâce à la puissance de la PlayStation 5, il n'y a pas de temps de chargement. Et ça, c'est beau. Allez, on est reparti. Merde, ça, c'est la sortie. Allez, on est reparti. On va améliorer notre sacoche, on va pouvoir transporter beaucoup plus de choses. Et ça, c'est la priorité number one. Ok. Bon. Pardon. Oh non. J'ai pas eu une peau de renard. C'est honteux. C'est honteux. Et là, il me faut quoi? Une coque d'écho. D'accord. C'est honteux. Ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi. Putain, j'étais persuadé d'avoir vu peau de renard. Terrible. Terrible, terrible. Eh ben, écoutez. Hop. Allez, let's go. Grâce à la puissance de la PlayStation 5, les temps de chargement sont totalement anéantis. Et c'est vrai en plus. Regardez-moi ça. Alors, hop, 369 scopes. Ah ouais, il y a du renard. Mais pourtant, là, c'est de la peau de renard, frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, les gars. On est d'accord, là, il y a de la peau en barre. On va essayer d'aller au coup giant. Trop de brume, là. Trop de brume, les refs. Y a pas un moyen de faire... Oh, je sais même plus, tiens. Je sais même plus s'il existe un moyen de faire passer le temps. Bon, là, les gars, si vraiment il y a pas la peau de renard, je ne comprends pas. Allez, go. Go, go, go. Désolé de tous ces petits allers-retours, mais là, je vous avoue que ça m'a... Ah oui, non, mais toujours plus, la brume. Toujours plus, toujours plus. Il y a de l'humidité dans l'air. Ah bah voilà. Merci, messieurs. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Augmente la quantité de nourriture. Allez. Voilà, et de toute façon, je reprendrai de la peau de renard. Il m'en faut une pour les graines à pic. Améliorer sa besace, c'est quand même l'un des meilleurs moves à faire, hein, pour le coup, je trouve. On va réutiliser le feu de camp, évidemment. Et là, on va pouvoir partir. Malheureusement, on va partir de nuit. C'est pas le meilleur move, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, Sugoi.
Sugoi. Allez, on se casse. Alors, on va par où? Ok, oui, le long coup. Grand coup, appelez-le comme vous voulez. Ce sont sûrement les ferrailleurs que j'ai croisés à Cagnard. On dirait qu'il se passe quelque chose. Ok, je vous laisse lire, évidemment c'est un parchemin. Mettez pause pour tout lire. Donc hop, premier paragraphe, deuxième et troisième. Bonsoir messieurs. Hop, ça on save. J'ai déjà vendu un article qui n'était pas parfait. Ok. Allez, premier chapitre et deuxième. Voilà la sauveuse de Méridian, et de ma propre petite affaire en plus. La reine, dis bonjour. Bonjour, enchanté. Tu sais, sans cette fameuse Nora, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Ah, c'était moche, ce que les Ténac ont fait à l'ambassade. Mais tous ceux qui étaient à Cagnard te remercient de les avoir repoussés. Alors c'est ton équipe de ferrailleurs? Tu ne trouveras pas de meilleurs négociants en pièces de machine dans l'Ouest. Et très bientôt, on va encore développer notre affaire. L'Ouest est depuis bien trop longtemps, eh bien, prohibé. Dangereux. Mais si je te disais qu'on pourrait faire une armure si robuste, si indestructible, que tu n'aurais plus jamais à t'inquiéter pour ta survie dans la région. Ah. Je serais curieuse de voir ça. Ah. Oh, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes meilleurs ferrailleurs de trouver ce qu'il faut pour créer cette armure. Chacun d'entre eux me présentera son travail. La meilleure des protections sera proposée à des chasseurs, tels que toi. Quelle chance. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai encore pas mal de travail qui m'attend à Skorok. La reine va s'occuper de toi en mon absence. J'ai hâte de voir comment tu t'en sors, mon garçon. Fais-moi confiance. Je vais souffler le fourneau de tous les autres. J'ai besoin que tu m'aides. De quoi est-ce que tu parles? L'armure, j'en ai fait au moins 10 versions. Mais aucune d'assez bien. Et il y a d'autres groupes plus à l'ouest. S'ils créent une meilleure armure que la mienne, je n'ai plus qu'à dire adieu à mon baril d'éclat. T'auras une récompense si Kerif choisit ton armure? Et pas qu'un peu. J'ai enfin le concept idéal. Il me faut juste les pièces, et très vite. Alors peut-être que tu me rendrais service en allant les chercher. Qu'est-ce que je dois trouver? Des conteneurs de Testudiens. Leur blindage est conçu pour encaisser beaucoup de dégâts, ça fera l'armure parfaite. J'en suis sûr. Je devrais pouvoir y arriver. Ah, c'est super ça! Alors, on a un troupeau près d'ici. Voilà le contrat, tu y trouveras tout ce que tu dois savoir. Toi, tu abats les machines, et mon équipe récupérera les conteneurs. Je regarderai ça en détail plus tard. Merci. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Alors, on va save, parce que c'est très important de save. On va faire une save manuelle au cas où, parce que c'est très important de save manuellement aussi au cas où. On va faire un petit check de la carte quand même. On va faire un petit check des quêtes. On n'est que là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Rejoindre les coordonnées de la planque. On a un grand coup ici. Rejoindre le passage. Aux portes de la mort, donc tout ça c'est des quêtes. Les fouisseurs, tout ça c'est des quêtes. On a beaucoup de quêtes, beaucoup de quêtes, dont une quête ici. Évidemment, donc beaucoup de choses à faire. Commercer, on va voir s'il a peut-être des trucs. Vendre. Plan pas. Ok, bon, il y a besoin de rien pour le reste. J'imagine que tu ne trouves pas.
Allez, on va s'arrêter là, les amis. On ira au grand coup à 500 mètres. Puis on fera toutes les quêtes au passage lors du prochain épisode. Donc, nous avançons très, 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 très bien. Regardez encore une fois cette carte. Les gars, matez ça. C'est indécent. C'est indécent tout ce qui va se passer. Ici, on a des ruines, des quêtes secondaires. Bref, c'est insane, un camp rebelle inconnu. On va faire ça, ça et grand coup. Et on aura bien avancé, je pense. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. À très bientôt. J'espère que vous avez hâte du prochain épisode, tout comme moi. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.